Cybermaniacs. Bonjour, ici Patrice de Cybermaniacs.com. Aujourd'hui, je vous parle de la trilogie de parodie de Star Wars faite par l'équipe de Family Guy. Le troisième film a été relâché en décembre dernier et qui dit trilogie dit coffret. Dans ce coffret, vous trouverez Blue Harvest, qui est l'équivalent de Star Wars, Something, Something, Something Dark Side, qui est l'équivalent de The Empire Strikes Back, et It's a Trap, qui est l'équivalent de Return of the Jedi. Ce coffret vous est offert par 20th Century Fox, disponible en DVD et en Blu-ray, et les deux formats contiennent la copie digitale. Pour ceux qui ne connaissent pas Family Guy, c'est une émission de bande dessinée qui est présentée à Fox. Elle a été cancellée à deux reprises étant donné son contenu et ses propos parfois vulgaires. Mais le diffuseur est revenu sur sa décision à deux reprises pour ramener l'émission en ondes. Elle est maintenant plus populaire que les Simpsons. Vous n'avez pas besoin de connaître l'univers de Family Guy pour voir ces films. Par contre, vous les apprécierez peut-être pas à leur juste valeur. Vous ne comprendrez pas pourquoi Han Solo et Luke Skywalker sont obèses, pourquoi Darth Vader fait un pied d'eau et que Boba Fett est un poulet géant. Vous devrez faire abstraction à quelques détails. Excellent. We'll prepare for our descent. Hey, hey, Consuela, no cleaning. No cleaning while I'm doing the hologram. Shut that off! L'histoire originale de Star Wars est fidèlement respectée. Bien entendu, quelques détails sont modifiés pour en faire une comédie. Personnellement, c'est Something, Something, Something Dark Side qui m'a le plus fait rire. J'ai néanmoins une petite déception face à ce coffret. Je suis un fan de Family Guy depuis le début et je suis habitué à l'humour un peu plus corsé. Je peux comprendre que Seth MacFarlane a voulu adoucir le texte pour pas carrément détruire l'œuvre de George Lucas, mais il y a certaines lignes qui auraient pu être un peu plus punchées. À qui s'adresse ce coffret? Aux amateurs de Family Guy, bien entendu. Aux amateurs de Star Wars, même si vous ne connaissez pas Family Guy, quelques subtilités vont vous échapper, mais l'humour général est compréhensible à tous. Puis si vous ne connaissez pas Star Wars, je ne veux même pas savoir de quelle planète vous venez. Même si c'est une bande dessinée et que c'est une version adoucie de la série télévisée, est quand même très déconseillé aux enfants. C'est tout pour aujourd'hui. Merci d'avoir été à l'écoute. N'oubliez pas de visiter le site www.cybermaniacs.com pour être à l'affût de toutes les nouvelles de films et de jeux vidéo. N'oubliez pas de participer au concours. Merci, à la prochaine!